Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire. Comme vous pouvez le voir à mon écran, le nouveau pack Club Fortnite du mois de juillet est enfin disponible. C'est le Club Fortnite qu'on attendait le plus puisqu'il y a Loki dans ce pack. Comme d'habitude, si vous n'avez pas reçu votre pack Club Fortnite, il vous faudra tout simplement relancer votre jeu ou patienter un tout petit peu. Bien sûr, pour récupérer ce pack, il faut avoir acheté l'abonnement au Club Fortnite. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce petit pack? On a le skin Loki qu'on attendait tous, qu'on avait vu. On avait vu le trailer, on avait vu plein de leaks et franchement, il est ultra stylé. N'hésitez pas, les gars, à me dire ce que vous en pensez de ce skin dans les commentaires. Donc, Loki, Lofeisen, votre sauveur est arrivé. On a avec le petit skin la cape de Loki, l'accessoire idéal pour le dieu de la malice. On a également sa petite pioche spectre de Loki avec, aussi appelé le bâton luisant du destin. On a avec ceci le planeur chariot des Chitauris. Il ne vient ni d'Asgard ni d'aucun monde connu. Et enfin, pour terminer, avec ce pack, on a l'écran de chargement, l'accueil de Loki. Ensuite, on passe directement dans le casier, comme d'habitude, pour voir d'un petit peu plus près ce petit skin et son ensemble. Donc, on va bien évidemment commencer par le skin Loki qui est ultra stylé, comme on peut voir. Il a le petit casque qu'il porte même dans les films et dans les BD, si je ne me trompe pas, avec sa petite tenue de dieu. Franchement, ultra stylé, comme d'habitude, les gars. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur ce que vous en pensez de ce skin et son ensemble. Ensuite, on a le sac à dos, donc la cape de Loki qu'on va d'ailleurs s'équiper. On a avec ceci la pioche de Loki, donc spectre de Loki. Elle est franchement ultra propre, ultra stylée. Comme d'habitude, les gars, n'oubliez pas de me donner votre avis dans les commentaires sur ce que vous en pensez du skin, si vous le trouvez bien ou pas bien. Ce que vous en pensez également de la cape, si vous comptez la jouer ou non. Qu'est-ce que vous en pensez également de la pioche? Est-ce que vous l'aimez bien ou pas? Et enfin, on a le chariot des Chitauris. Est-ce que vous pensez que vous allez jouer ou non? Donc là, dès qu'on a le planeur, comme vous le voyez, on a une faille qui s'active et on a le vaisseau qui en sort, ce qui est ultra propre. Franchement, le planeur, il est très clean. Franchement, regardez, il est très propre. Il sort de la faille, on a une petite animation. Et ensuite, on a le petit planeur. Mais on va pas se le cacher, le meilleur objet de ce pack, c'est le skin de Loki. Du coup, les gars, comme d'habitude, si vous avez aimé et apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Sur ce, je vous laisse avec le gameplay du skin et son ensemble. Et puis sur ce, je vous laisse, à plus et à la prochaine.